bien, salut, c'est Cupertino. Je te propose aujourd'hui une application qui est fantastique pour ta smartwatch, si tu en as une, si tu as la chance, ou si tu es assez riche pour t'en payer une. L'application s'appelle Facer. Facer, en fait, elle permet de transformer ta smartwatch en montre de luxe ou en montre délire, comme moi, avec le Prince de Bel Air, par exemple. Voilà, montre à quartz à 2€, à la Vogue. Donc voilà, et donc cette application qui est fantastique, qui coûte la bagatelle de 79 centimes sur l'Android Market. J'ai essayé de... Voilà Facer. Et Facer, en fait, parce qu'au départ j'utilisais des fonds que je trouvais sur l'Android Wear ou l'Android Market classique, et il y avait des Face... des faces de montres pour voilà, simple, joli, mais bon, pas exceptionnel. Et en fait, Facer te permet, alors voilà, Facer ça s'affiche comme ça. Enfin, là au départ, vous avez rien, puisqu'en fin de compte, je vais pas vous révéler, mais au départ, tu peux créer tes propres fonds de montres, tes propres montres. Voilà, c'est une application qui te permet. My Watch, alors hop là, qui te permet donc, alors là c'est un peu les exemples qui ont été faits par des gens. Voilà, j'aime bien celle-ci là, je sais pas, c'est un petit personnage du Monopoly, j'ai l'impression, avec les petits bras. Bon, bref, il y a du délire, il y a un peu de tout, il y a de la classe, il y a, voilà, il y a des montres qui sont jolies. Avec des inspirations différentes, des délires, des trucs simples. C'est pas forcément des copies. Et le gros avantage, c'est que tu as la possibilité... Oh, alors ça, c'est mon téléphone. Hein. J'ai un Acer Z200. C'est une merveille de lenteur. Ça doit correspondre à un Nokia 5110 en vitesse, je pense. Hein. Voilà. Et donc, cela te permet, grâce au repos, repository, comment on peut appeler ça en français ? Un site de stockage, je sais pas, un container en ligne qui te permet en fait de retrouver toutes les montres qui ont été faites par des génies ou par des gens comme moi, comme toi. Et donc on a un panel de montres comme la, voilà, la Montbrillant, la Breitling Montbrillant, qui est une montre assez belle de collection. La Daytona, je vous en parlerai après. On a celle-ci. Voilà, l'Angelson, mais alors, elle est belle, mais elle a que de la gueule, puisque le tourbillon, lui, ne fonctionne pas. Il n'y a que les secondes et l'heure et la date qui fonctionnent. La Rolex Milgauss, qui est très bien faite. Voilà, ma préférée actuelle, la Breitling pour Bentley. Voilà, Super Sport. Bentley Super Sport. Je vous parlerai, voilà, Fresh Prince, etc. En fait, il y a plein de montres, une Swatch. J'aime bien cette Swatch, elle est marrante. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est très réaliste quand on la regarde de près sur l'écran. Voilà, ça c'est une montre un peu dans l'esprit d'une Swatch aussi. Il y a eu une Swatch qui était comme ça. Là, ils disent que c'est une Accutron. Alors, l'Accutron, je ne sais plus qui c'était qui fabriquait ça. Bon, c'est une marque. Tac-tac. Voilà, là, c'est des trucs que j'aurais dû faire moi, que c'est tout pourri. Voilà, encore des Swatch. Voilà, c'est la même en plus, j'ai dû la charger plusieurs fois. Bon, il y a la possibilité de charger plein de montres. Et donc, on va passer tout de suite à l'action. Alors, l'avantage de ce site, je vais vous le donner tout de suite. Le site s'appelle Face Repo. Et c'est facerepo.com. Alors, F-A-C-E-R-E-P-O.com. Face Repo. Repository. Hein. Et donc, vous avez... ou beaucoup de modèles, et notamment vous avez la possibilité de rechercher par marque. Si tu tapes Rolex, tu vas avoir tous les fonds Rolex, et les fonds Omega, les fonds, etc., etc. Et comment ça marche? Une fois que tu les as téléchargés, parce que tu as la possibilité de les télécharger directement de ton téléphone, certains sont en point zip, d'autres pas. S'ils sont en point zip, bah, il faut les dézipper, sinon ça n'apparaîtra pas ici dans Facer. Par exemple, je vais mettre ce fond que j'adore, celui de la Breitling. Donc tu sélectionnes, une fois qu'il est intégré dans ton My Watch Face,
My Watch Face, tu le sélectionnes. Voilà, donc il apparaît plein écran. Et ici, en haut, tu as la possibilité de cliquer et de faire Send. On va voir, elle est derrière la montre, on la voit en fond. Je fais ça. Il me dit, tu veux ou tu veux pas? Je dis Yes. Et, attention, magie des magies. Le fond devrait arriver, donc on avait Fresh Prince. Et on va voir le Bentley. Voilà, alors. Est-ce que ça va marcher? Moi, j'ai un... De temps en temps des petits bugs, mais c'est dû au téléphone et pas à la montre. Voilà. Tac. La montre donc est passée en Bentley style. Voilà. Il me fait chier ce truc là. Lâche-moi la grappe. Voilà. Et en fait, c'est hyper réaliste. Regardez. C'est hyper réaliste. Voilà. Alors celui-ci, il est vraiment impressionnant de fond. On va en tester d'autres. Alors, je dois dire que le fond, par exemple, j'ai le temps, donc je vais vous en parler. Celui-ci de la Rolex Daito, il est pourrave, parce qu'en fait, il y a le contour qui a été intégré. Plutôt que de faire que le dial de la montre, ils ont intégré aussi le contour qui est, lui, sur le boîtier à l'extérieur, en réalité. Le dial, c'est que le rond central. Là. Et donc, quand on le met, je vais le mettre, grosse déception. Donc, j'appuie là. Je fais send to my device, hop, j'envoie. Alors, grosse déception, ça nous fait une montre pourrave, ça nous fait d'ailleurs une montre imitation Daytona chinoise à 20 € sur la plage, ça fait pourrave, voilà. Et là, vous apercevez, voilà, il y a le contour effectivement, mais là, le centre de la montre est ridicule. Voilà, il est ridicule, et toi, t'arrêtes de me faire chier. Voilà, il est ridicule, voilà, c'est dommage, moi, j'aurais pas mis le contour, voilà. C'est très bien fait, mais c'est dommage. Ils ont voulu jouer à fond la Daito, mais ça ne lui rend pas service à la Daito. Moi, j'aurais fait que le centre. Bon, bref, on va essayer un autre fond qui est joli, ma foi. Voilà, on va tester un. Je vais vous montrer un classique. Bah, la Milgauss, voilà. Ça, c'est pour Gounet. Gounet, la Milgauss, toute une légende. Voilà, c'est parti. Transfert. J'enlève mon doigt, je remets mon doigt, fais-moi le net s'il te plaît, voilà. Alors voilà, je vous expliquais que ça pouvait bugger, et ma foi, je crois que c'est bon. Ça bug, ça bug, ça bug, c'est un peu lent. Mais là, c'est vraiment la faute de mon téléphone. Si vous avez un téléphone comme il se doit, comme j'imagine, pas un téléphone au rabais comme moi, évidemment, 59 €, tu peux pas t'attendre à des merveilles non plus, hein. Si quelqu'un peut me l'overclocker à coup de fer à souder, je suis partant. Voilà. Donc là, ça synchronise, mais en fait, ça veut pas. On va faire comme ça. Voilà, là, il fait la gueule. Je vais contraindre la montre. Voilà. On va lui faire... Tac, modifier le cadran. Voilà. Je rappuie sur Facer, puisque c'est une application, je vous le rappelle. Voilà, je vais resynchroniser, rebalancer, re-yes. Je resynchronise, ça devrait passer. Mais c'est vraiment mon téléphone qui fait ça. Voilà. Et donc là, vous avez une magnifique Milgauss. Et alors, je dois dire, c'est quand même la classe, quoi. Alors, on peut se poser la question, hein, je disais que ça n'allait pas changer l'horlogerie suisse. Ça, c'est vrai. Mais tu peux quand même te poser la question, moi qui aime les vraies montres comme ça, les Rolex, les machins, les Breitling, les trucs, c'est assez bluffant, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est pas un boîtier de Rolex sur le côté, quoique. Mais t'as une montre qui a vraiment de la gueule. C'est très agréable, en fait, voilà. 79 centimes, je le rappelle. Alors, je sais pas si les fabricants vont porter plainte, puisqu'en fait, est-ce que c'est une copie? Je pense pas. C'est juste un fond. Et c'est un fond virtuel, en plus. Donc voilà. Donc, on va refaire un dernier exemple. Et après, je vous laisse tranquille. Tac, tac, tac. Fresh Prince, ben, je le remettrai. Voilà. La montre à quartz, hein, la Cutron. La Cutron, je me souviens plus ce que c'est comme marque, je sais plus, c'est pas Bulova, à Cutron ou Bulova appartenait à Cutron, je sais plus. Voilà. Parce que le logo, c'est le même que Bulova d'ailleurs, la tête de taureau, la corne. Voilà. Bulova, une marque très peu connue en France,
Beaucoup à l'étranger, mais très peu connu en France. Donc voilà, c'est marrant. Bon, ça peut être que réaliste, hein, parce que là, c'est un circuit imprimé. On voit le cœur de la montre. Voilà. C'est une application qui me plaît vraiment, parce que j'aime les montres. J'aime la moto 360, et ses fonds sont pas mal. Mais là, ça a quand même une autre gueule. Allez, une dernière, et puis après, je vous laisse tranquille. On va faire la Montbrillant pour Gounday. Gounday, je sais que tu me suis, je sais que ça fait longtemps que tu me suis, Gounday, c'est normal. Gounday est un spécialiste de la montre vintage, donc si vous avez des questions techniques à lui poser, n'hésitez pas. C'est @GOUNDEY, Gounday, voilà. Et donc voilà, la Montbrillant. Célèbre Montbrillant. Alors, la Montbrillant, elle est blanche et on voit que le bas, ça blesse. Mais enfin, bon, si t'as pas les moyens de te payer une vraie Montbrillant, on voit que t'en as les infos. Alors, toutes les Breitling ont les mêmes infos, donc c'est le même créateur qui a fait ça. Voilà. Je trouve que ça a de la gueule. Alors là, le bas, ça blesse. Il aura fallu un fond noir. Je vous avais dit que ce serait la dernière. Ben non, c'est pas la dernière. Je vais me remettre mon Fresh Prince. Voilà, parce que c'est très important quand même. C'est dimanche, j'ai dit, je me fais plaisir, je m'achète une montre de luxe. Une montre à quartz à 2€. J'espère que ça va pas bugger là. Non, c'est bon. Voilà. Et bien voilà, c'était Cupertino pour l'application qui s'appelle Facer. Et qui a le mérite de vraiment transformer ta smartwatch. Alors il y a sur le repos, vous avez la possibilité de chercher ou par ronde, montre ronde, ou par montre carré. Voilà, ça donne du plaisir à tout le monde. Et donc il en existe pour tout le monde. Enfin, c'est souvent les mêmes modèles, mais carré ou rond. Voilà. Le site s'appelle facerepo.com. facerepo.com et l'application s'appelle Facer. Elle se trouve sur l'Android Market au prix de 79 centimes. Elle n'a cessé que de descendre en prix et je trouve que c'est vraiment une très belle application. Si vous êtes amoureux des montres, si vous êtes amoureux de votre smartwatch, bah foncez quoi, c'est vraiment le top. Voilà, c'était Cupertino. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne soirée, à bientôt.